Salut les amis, c'est YouYou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et devinez dans quelle vidéo on se retrouve. 5, 4, 3, 2, 1. Déjà. Voilà, on va jouer à ce jeu. Comme vous le voyez. Avec, ouais voilà, Jump Force. Vous connaissez sûrement. Il est génial ce jeu. Si vous aimez les animes, jouez-y. Il est génial. Attendez, je vais enlever une image. Regardez. Ah, on voit pas très bien. En tout cas, c'est trop classe. Et je vais vous montrer autre chose. Je vais juste remettre l'image. Et moi, il m'a coûté seulement 30 euros. Normalement, il était à 40 euros quand on l'achète dans un magasin. Mais moi, je l'ai à moins cher. Et là, vous voyez pas, mais... En fait, j'ai 9 personnages dedans. Et j'ai un pass. J'ai un pass dedans. J'ai aussi ça. Un code à mettre qui est juste derrière. Où tu peux acheter des trucs à moins cher. Bon, voilà. Moi, il m'a coûté seulement 30 euros. On va voir Goku, Naruto, One Piece. Plein. My Hero Academia aussi. Et du coup, c'est parti. Là, ça y est. Ouais, allez, on va pouvoir jouer. Juste avant. Oh non, je suis dégoûtée. Comme j'ai un peu déjà commencé le jeu. Attends, comment on fait pour recevoir... Ah oui! Non, rien. Non. Comment on fait pour enlever les données? Pour enlever tout ce que j'ai fait. Bon, tant pis, déjà on va y jouer. Et on me voit en reflet. Allez, c'est parti. Ok. Allez, allez, allez. Ah, il est trop bien fait le jeu. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais augmenter le son. Et voilà. Du coup, vous avez vu, c'est trop bien fait.
Elle était magnifique, l'animation. Bon, allez, on va continuer avec un nouveau compte. Aucune donnée de sauvegarde trouvée pour ce jeu. Souhaitez-vous créer de nouvelles données de sauvegarde? J'ai pas trop compris, mais... Oui. On accepte. Allez, allez. Ouais, c'est un peu fort. Allez, c'est parti. Ah, j'ai hâte. Allez, allez, allez. Il y a des astuces. On va aussi pouvoir acheter des attaques plus tard. Ça va être génial. Ah. Là, il y a nous qui marche. Ah, une autre ville réduite en ruine. Bon travail, vous tous. Ces adversaires terrifiants venus d'un autre monde, ainsi que les vénins qui combattent à leur côté, ont infligé des dégâts catastrophiques à notre monde. Mais alors que l'ombre du malheur se répand sur la planète, une lueur d'espoir est sur le point de se montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas tes petits copains. Je n'ai pas besoin de l'aide de personne pour t'arrêter. Ce monde est déjà condamné. Ce n'est pas à toi qu'il appartient. Tu ne sais vraiment pas quand abandonner, c'est ça? Ah, c'est l'heure est venue de te tuer. Non! On est mort! Il nous a attaqués! Comme Goku, il a esquivé, ben on est mort. Ah, mais c'était nous! Eh oui! Et c'est qui? Ah, il y a Trunks qui nous aide! Il est en train de nous sauver! Je crois qu'on n'a pas d'autre choix alors. Bien, tu as repris connaissance. Tu as été attaqué par Freezer. Tu es dans une situation... Ouais. Et il va nous ramener à la vie comme héros. La reconstruction. Oh, un cube. Yes. Oh, il va nous mettre un cube qui va nous rendre héros. Wow. Et là, on est transformé. Et comment on va être en héros? Ah! Voilà! C'est ça que j'attendais, moi. Allez, du coup, on va mettre masculin. On va mettre le type A. Ah, mais du coup, on a des trucs en plus. Ça, c'est vrai. La coiffure. Ah, mais c'est trop bien. Tu peux vraiment changer plein de choses. Qu'est-ce qui m'irait bien? Je trouve pas de coiffure stylée. Ah, voilà, celle-là. Elle me va bien. On peut changer les sourcils. Je trouve pas trop bien. Non, il a l'air fatigué.
Bon, on va voir les yeux. Voilà. On peut mettre une pupille noire. Ah, c'est horrible. Ok, on va mettre... Non, non. Et moi, je veux laisser les deux yeux de la même couleur. Bon, tant pis. Ah, mais non, moi, j'ai les yeux marrons. Du coup, on va mettre marron. Et la pupille droite, aussi marron. Ok, c'est bon. Le nez. Ouais. Bouche et mâchoire. Qu'est-ce qui nous irait bien? Ouais, voilà le même. Oh, classe. On va mettre comme Krilin. Ouais. D'abord. Ah oui, il y a d'autres trucs aussi. Et là-bas. Oh, le M debout. Qu'est-ce qu'il y aurait qui est bien? Non, pas ça. Non, on va pas mettre ça. Ouais, alors on va choisir ça. C'est quoi ça? Ah, on peut encore mettre des trucs. Non, non, c'est bon. Oh, une voix! Ok, le bouton X. Ah ouais, trop bien! La voix 8, la voix 8, ouais. Et là, on est bien. Ouais, c'est bon. On va pouvoir continuer. Ah, il nous faut un nom. Génial. Eh ben, on va s'appeler Younes. Ouais. Comme je m'appelle Younes, du coup on va se donner mon nom. Non, là j'ai mis deux. Non. Oh non, mais ça bug. Les boutons ils marchent pas très bien. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Et non. Parce que si on me joue en ligne, il faudra payer un abonnement pour jouer avec des gens. Et moi, je vais pas jouer avec des gens. Alors, je ne paye pas l'abonnement. Allez, 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 j'ai hâte de voir la suite. Ok, ça c'est nous. Ok, c'est bon, il a vu que ça a marché. Quand il a mis le cube.
Bonjour maître, je suis Navigator. Ok, le robot il s'appelle Navigator. Ok. Ok, du coup on va sortir d'ici. Ah, il y a des ennemis. Ok, allez, on va devoir les battre. Allez, chargement en cours. Des capacités d'éveil. Ah, c'est bon. Ok, il n'y a pas de bouton L. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je devais sauter. Appuyer plusieurs fois rapidement sur Y. Ok. Ah ouais, trop bien. Ça nous téléporte. Smash. Ensuite. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Charge haute. J'ai pas de bouton L. Ah, il faut le battre. Ok, maintenant on doit le battre. On va essayer d'apprendre des... Essayer de faire des techniques. Ok. Et le bouton A. Ah ok, c'est ça. Ok. Ben du coup, on doit le battre. Ça va être très facile. Oh, trop classe. Allez, on l'a battu. Ah oui, trop classe, on a un niveau. On est niveau 2. Ah, il est trop bien le jeu. J'ai pas trop d'espace dans mon téléphone. Du coup, je vais devoir terminer la vidéo dans pas longtemps. Ok. Ah, il y a un cube maléfique. Et du coup, il le prend. Ah oui. Ah, il va partir. Adieu, Freezer. Ok. Oh, maintenant que j'y pense, je t'ai même pas demandé comment tu t'appelais. Younes, c'est bien comme ça. Tu te bats pas trop mal. Son Goku, je pense qu'on devrait retourner à la base. Ah, ils ont une base avec Luffy et Naruto. Ah oui, Luffy et Naruto qu'on avait vu dans l'animation. Bon, on va les voir. Ah, j'ai hâte de mettre la miniature. Là, vous devriez la voir normalement.
Peut-être que je ne l'ai pas encore mis pour ceux qui ont vu dès que je l'ai mise. Oh, génial! Allez, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, la base! Nous y voilà. Ça me fait encore bizarre d'avoir une machine qui me trimballe comme ça. Ok. Ouais, c'est grand. C'est magnifique. Et c'est quoi cette musique? Écoutez, attends. Je vais essayer de remettre mieux. Ah, il y a Luffy et Naruto. Son Goku est de retour. Désolé les gars, Freezer s'est échappé. Ne t'en fais pas, tu l'auras la prochaine fois. Et tu as raison. Alors on a quelque chose à manger, je meurs de faim. Luffy il a déjà tout mangé. Ok. Ouais mais c'est pas vrai. Tous les gens de ton monde paniquent un peu quand ils arrivent ici. Ça se comprend. Ok, lui ça a l'air d'être un chef. Avec la cape dorée. Ouais, c'est ça. C'est le directeur. Il s'appelle Glover. Ça me fait penser à un truc. Ok. Je vais t'expliquer. Il y a d'autres mondes qui existent au-delà de la réalité à laquelle nous appartenons. Ces mondes sont rassemblés dans ce qu'on appelle Jump à cause de nos différents ennemis. Ah, c'est passé. Ok, il y a des mondes de Jump. Ok. Et eux, les héros, ils sont dans la Jump Force. Ok, une équipe de héros. Et nous, bien sûr, on va y aller dedans. C'est sûr. Tu as maintenant le pouvoir de combattre avec eux. Le cube intégré dans ton corps t'a accordé des pouvoirs en réponse à ta volonté. Des cubes d'Embra. Ok. Et les Venoms, c'est ceux qui nous ont attaqués. Pas Freezer, mais l'ennemi qu'on a combattu. Ok. Oh, on voit un cube géant, comme le cube d'Embra. Ok, ok. Ah, c'était bien. Bon, les amis. Attends. D'abord, on va voir ce qui va se passer. Ouh. C'est qui et comment avance le plan Galena? C'est le Galena. Cette Jump Force essaye tant bien que mal de nous tenir tête. Mais elle ne posera pas de problème. Nos effectifs sont en croissance constante. Ah ouais, des ennemis. Ok. Mais on se souviendra de... Ok. Oh, regardez ce qu'il fait. Il peut changer le temps. Mettre des orages. Ok. Ah, c'était trop bien. Y a quoi là? Ok, chapitre 1, les germes du mal. Ok, Navigator me donnera des détails. Tout de suite, monsieur, d'un point de vue tactique, la Jump Force globalement divisée en 3 équipes. Ah, ok, elle est divisée en 3 équipes. L'équipe Alpha qui s'efforce. Ah, ok. L'équipe Alpha, c'est Goku.
L'équipe Beta, c'est Luffy. Et l'équipe Gamma qui se concentre sur l'infiltration du territoire ennemi pour obtenir des renseignements, c'est Naruto. Quelle équipe on pourrait rejoindre? J'ai envie de rejoindre Goku, mais aussi Naruto. Luffy, j'ai pas envie. Ok, arrête de parler, c'est bon. Ok, nous on doit choisir une équipe, c'est ça? Ouais. Eh bien, je pense que vous verrez dans... Ah, encore une animation. Avant de rejoindre une équipe, voyons d'abord les bases. Appuyez sur A pour parler au personnage. Ok. Appuyez sur X pour ouvrir la carte. Sur plus pour ouvrir le menu avec plusieurs trucs. Ah ok, ok, c'est bon. J'ai pas trop besoin de tes explications. Chargement en cours. Ah c'est bon. Ah et ben d'abord on va voir des trucs. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai cliqué sur un bouton. Ok, c'est sur le bouton, la flèche vers le bas de la Switch. Une moto! Une moto du futur! Ah, mais c'est génial! Et du coup, on doit recliquer sur le même bouton pour l'enlever. Bateau? Depuis quand? C'est un bateau, ça? Mais c'est quoi, ça? MDR? C'est un bélier? C'est nul! Ensuite, un crapaud. C'est Naruto, ça? Mais what? C'est drôle et génial. Ok, ben on va choisir les équipes dans la deuxième vidéo. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. À la prochaine. Bye.